tout le monde va bien? Ouais. Alors, je vous disais tout à l'heure, oui, il ne reste plus que trois dates de concert. Deux après celle de ce soir. Et forcément, il s'est passé plein de choses, on s'est retourné, on a rencontré des gens incroyables. Vous, en premier lieu, vous pouvez me le dire. L'accueil était vraiment adorable. Je sentais que les gens avaient besoin de ce partage, avaient besoin de se sentir considérés, tout comme nous. Et c'est vrai que c'était une bien belle rencontre pendant toute cette période avec cette tournée. On a été partout, je crois, là, pour le coup. On a fait beaucoup, beaucoup de salles, beaucoup, beaucoup de coins, en festival, dans des salles plus petites, des salles plus grandes. Et à chaque fois, c'est toujours le même plaisir. Voilà, à chaque fois, on me demande des fois, est-ce que c'est pas lassant? Enfin, quand même beaucoup plus lassant que de s'éclater sur scène avec plein d'amis dans la salle qui s'excitent avec nous, vous voyez, pour le coup, c'est plutôt sympathique. Pareil. Enfin, et puis, il y a aussi toute une équipe avec moi. Alors, évidemment, vous voyez la partie visible de l'équipe, qu'on peut applaudir encore très fort, c'est David. On va étaler sur trois dates, vous voyez, le moment qu'on n'aime pas, et le moment du au revoir et tout ça, donc on va l'étaler, là. Tout à l'heure, j'en ai parlé aussi, on peut applaudir encore très très fort à la lumière, Johan, et Pierre aussi, on peut applaudir très fort. Pour notre son, il y a eu plusieurs personnes qui se sont remplacées les uns après les autres, mais tous avec autant de plaisir et de gentillesse. Je vais en applaudir très très fort Mika. Alors pour notre son à nous, faites du bruit pour Alex. Aussi, le son, vous êtes, c'est pas simple, le son. Parce que le son, en fait, vous voyez pas, mais il y a un bouton magique. Je vous ai expliqué le bouton magique. Et quand je chante, là, waouh. Entre deux paroles, si j'ai un problème de son, regardez son micro, il y a un bouton. Mais je suis sûr que c'est pas une blague. Il y a un bouton qui est juste là. Et en fait, pendant que je chante, des fois je suis là. Et là, je t'aurai joué vélo après toi, des choses comme ça. Voyez, je parle dans ce bouton et ça coupe le son pour vous. Et c'est lui qui entend la décharge de colère quand je n'entends pas comme tout le monde. Donc, il fait un côté un petit peu schizo, vous voyez, pour le coup. Je suis à fond dans une émotion et là, je fais quoi? J'entends pas du tout, alors après! C'est très spécial. Un jour, il faudrait qu'on fasse un enregistrement de ce qui se passe dans ce micro. Bon, voilà. Et donc, on peut les applaudir encore très très fort parce que. C'est pas la partie. Tout à l'heure, on l'a vu, mais on peut faire encore beaucoup de bruit pour Stéphane. Il y a aussi l'équipe, encore, qui est encore plus loin. Alors on peut applaudir Bise, on peut applaudir très très fort. Le Bise qui parle avec François et nous, c'est lui qui fait en sorte que tout se passe bien. Alors Bise, faut quand même le savoir. Bon, parce que quand même, Bise, bon. Il a du métier, papa. Ah bah si. Ah bah attendez, Bise, il a fait le tour de France, je pense, à peu près 1500 fois. Et dans ici, à chaque fois qu'on arrive dans une ville, écoute. Je connais un petit restaurant que j'ai fait sur la tournée de Pascal. Donc on peut applaudir très très fort. Parce que vraiment, on peut applaudir très fort. On peut applaudir aussi très très fort la Françoise. On applaudit très très fort. Alors Françoise, elle a la double tâche. C'est un peu mamie gâteau, l'équipe. C'est pas une vanne, c'est un peu un gâteau d'équipe, c'est-à-dire quand les gens se réveillent dans le bus et tout, tout le monde c'est Françoise, à quelle heure on doit aller là-bas? Parce qu'en fait, Bise vous envoie des mails, vous voyez, on est d'accord, on envoie des mails à toute l'équipe en disant, on est là quand on arrivera dans la ville, vit-elle, nous sortirons du bus à telle heure, les chambres de l'hôtel seront disponibles à telle heure, nous mangerons à telle heure. Mais comme tout le monde, bien sûr, qui reçoit des mails, personne ne lit les mails.
premier accent, on s'entend du bus, vous voyez, les gens, les cheveux comme ça, filet de bave. Donc on peut appeler très très fort François. Alors c'est lui qui s'occupe de conduire, pas le bus, mais le camion. Parce que quand on est sur les routes, bah, il y a nous, et il y a tout le matériel qu'on a derrière qui est transporté partout, partout, partout. Et ça c'est Fabien. Alors Fabien, on l'aime. Fabien, il aime l'apéro. C'est pour ça qu'on a décidé qu'il conduisait le matériel. On va quand même éviter qu'il se passe un truc. Non. Fabien, c'est le mec toujours de bonne humeur. Et en plus, maintenant, j'ai encore plus de bruit parce que Fabien chante. Fabien, est-ce que tu peux le rendre? Comment tu sens ton poulain? En forme. Fabien, comment tu te sens? Non, mais il faut le savoir, en fait, nous, on fait rarement des balances, vous voyez? Donc à chaque fois, justement, bah, c'est Stéphane, c'est les gens d'équipe qui calent le son, qui installent la batterie, qui font des essais, la guitare et tout. Et en fait, quand on arrive dans la salle plus tôt que prévu, on a papa qui est en train de pousser la chansonnette sur scène. Donc Fabien, maintenant que je prends ma pré-retraite, mets bien les voyages qui s'entendent bien. Yeah!
profiter quand même pour remercier Christophe. Un artiste au top. Autant avec vous, mais avec nous aussi. Une super tournée. Merci Christophe. Merci. Et alors attendez, on s'en va aussi. On applaudit encore très fort Fabien. Et toute cette petite voyez, présentation, parce que ce soir, après un an de tournée, voyez, des millions de kilomètres, des ravins, des trottoirs, des dodanes, notre ami Doron, c'est sa dernière date avec nous ce soir. Alors, Doron, non, parce qu'il faut le dire, on a des fois des conducteurs de bus. Vous voulez maintenant, vous avez 47 bosses, vous voyez, parce que ça bouge partout. Et en fait, il faut quand même applaudir très très fort Doron parce qu'il a été parfait. Il nous a conduit partout. On est toujours arrivé à l'heure, entier. Et en plus de ça, il a pris vraiment, vraiment, vraiment soin de nous. Faites beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, encore du bruit pour tout le monde. Ouais. Alors, je vous ai dit que cette tournée c'était quelque chose. Là, dès qu'on part sur scène, à chaque fois, dès qu'on part sur les routes, je veux dire, on rencontre des gens incroyables et forcément, bah, ça fait toujours un petit pincement, voire un gros. Pincement au cœur quand on se dit on arrête cette tournée, évidemment, je le dis partout. Oui, il faut bien que ça s'arrête un jour. Mais au fond, quand même, ça va bien nous manquer cette histoire. Nous aussi. Et alors, du coup, sans aucune transition, parce que c'est très facile de repartir là-dessus, mais pour le coup, je vais vous faire un double jeu là maintenant. Bon, on va le faire. Ouais non, là, l'idée. Qu'est-ce que veut dire Aurélien? Ouais, paf! Oh là là! Vous tous mettre juste qu'il n'y a rien à prévu. Tu veux pas? Tu veux? Paf!